Des mates. Je pense. J'ai toutes les infos avec le fusil. Je le passe. Il a un HP. Vas-y, hein, il va aller là-bas, on va drop pour ça. Parce qu'on sera comtesse, donc je vais drop pour le comtesse, genre vers 600 mètres. Peut-être plus close encore, je pense. On drop avant eux, c'est sûr. Je check la minimap pour voir si je vois d'autres teams autour, mais j'en vois pas, donc c'est vraiment le seul comtesse. Du coup, je vais, comme d'hab avec Catalyst, je vais jouer pour le milieu avec mes portes. Ouais, ils peuvent plus prendre le mid. Maintenant, je peux aider le mate. Il a pris cher lui. Je vais voir si je peux le push là-dessus. Ah ouais, c'est les lots. Nul le longbow. En vrai, on peut prendre le bat là-bas là, et juste on chill. Hein. On attend en border zone, voir s'il y a des gens qui sortent de la zone late. Je vais pas aller en... je vais pas passer devant. Que bon, j'ai un blood et un sear. Autant éviter de se faire trap. Je vais les laisser passer devant. Je sais pas s'il y a un meilleur moyen de poser ce trap, genre peut-être comme ça là. Ah, ça c'est pas mal ça. Parlant de team qui sort de la zone. On va être sur le pont, ils sont... Bon, ils sont pas vraiment in là-bas, ils vont devoir bouger. Yo guys. Ils avancent déjà. Et dans la vie, il y a un mec qui a piqué à gauche lui là-bas. Je surveille quand même les alentours toujours vu qu'on va... Là on va pas vraiment push. Ça va peut-être attirer du monde. Le fait de faire que de tirer. C'est où là? Other team, other team. Voilà. Y'a moyen qu'il nous foule le CN2, on faut faire attention. Tant que mes mates ils les regardent, je vais surveiller l'autre squad moi. Ah il est low mais chou. Oh ouais frère. Non. Il nous push, je vais mettre un trap ici. Dans le trap derrière, il va monter. Parfait le trap. Et l'autre je vais le raise. Il y a l'ulti, il va pas push. En plus s'il push je le vois. Voilà je le vois. Je vais remettre un trap. Non tu te fous de ma gueule. C'est pas encore fini parce qu'elle avait la team du pont. Je vais bloquer les portes de ce côté là. Juste pour être safe. Je pense qu'on est bien. Non, le petit trap ça l'a tué là, juste à la fin, il a pris les 15 de dégâts, ça a suffi pour la tuer. Le trap ici il était bien en plus, il a pas pu le dodge en plus, c'était parfait. Et par contre il a été un peu bête de continuer à climb. Le punir et le pass qui était bloqué sur la porte, ça c'était free aussi. Ah et puis l'ulti-sir hein. L'ulti-sir ça carry, tu vois tout, ouais tu vois tout ce qui se passe quoi, c'est tellement fort mec, c'est tellement débile l'ulti-sir vraiment. Jouez sir hein, si vous voulez un perso vraiment fumé. On a pas beaucoup des persos OP mais alors sir c'est vraiment OP. Hein. Le mec sur ce toit là mais il tient pas le premier bat. Je sais pas si on peut le prendre. En vrai ce serait bien de le prendre hein, maintenant qu'on peut. Vu qu'il y a personne qui l'hold. Parce que la zone elle va pas être là-bas de toute façon donc on va encore devoir rota par ici dans tous les cas. Je vais cover le... Oh, T-Mobile. Non il va passer son raise. Je vais voir si je peux le tuer le mec qui se fait raise. Effort 0. Il reste la Watson en bas, elle est tout seule, il vient de scan donc je vais push sur le côté et le voilà. Ah, ils sont deux maintenant. Ouais. Ils bougeaient pas je pense. Il est low parce que je les craque juste avant. Et je les reste direct. Je sais pas s'il y a une autre team. Il a pris le focus, du coup je les ai laser sur le côté, je vais bloquer les deux portes pour... Donc je mail, je me fasse pas surprendre. Ah il y a l'ulti-sir. Je vais attendre... Il y a un ulti-sir en face donc je peux pas faire de move aggro sinon ils vont savoir exactement ce que je fais. Les deux portes sont bloquées pour le moment mais ils ont un fuse donc ils peuvent le péter facilement. Je vais attendre que mon sir il ult comme ça je peux savoir exactement. Bon on est tranquille hein, ils tentent pas de move aggro. On a pas besoin d'ulti, ils nous pushent pas. C'est bon j'ai réussi à le dodge. Oh il va continuer hein, il va waste toutes ses nades pour rien. C'est à dire quand on va les push il aura plus rien pour défendre. Je vais rebloquer la porte. J'ai envie de voir si j'ai moyen de...
Ah, il y a une team sur le bridge, c'est pour ça qu'ils push pas. Careful, there's a team on bridge. Et on est plus dedans, putain, faut qu'on les tue. Oh, on est pas en zone, ça c'est chiant. Yo, we can take bridge, that team left. Je prends le bridge parce que là on est en zone, prochaine zone. On a la zone ici, les mecs à gauche ils ont pas de zone. Ils sont trop lents pour third party. Ah bah ils sont partis dessus. Bah on est bien. On a juste à garder, maintenant on a juste à garder tout l'espace. Et comme ça, si on garde suffisamment d'espace, on va les forcer à se fight. They knocked one. We can push, we can third party this. Bon, bah c'est top 2. On a encore ulti blood et ulti seer en face, ils l'ont déjà claqué. J'ai toutes les infos avec l'ulti seer. Lui il l'a pris super cher. Je vais l'isoler de ses teammates, comme ça ils peuvent pas l'aider. Ouais. Les mates ils ont fait le café aussi. Et c'était free win. GG. Nice. On continue. Il y a une team qui vient avec nous mais très late. Deux teams. Ils se fight à gauche. Peut-être qu'on peut aller check ça. Est-ce qu'on a moyen de faire un truc sur ces mecs là? Hey, il veut push comme ça lui. Je sais pas si je peux. Ah bah il y a une team derrière nous. Hein. Je suis mort je pense de faire ça. Je suis obligé de commit à la zip là. Sinon je suis mort. Je vais attirer en plein milieu de deux teams et je suis dead. Il en a un knock, hein, il en a crack un autre donc je suis obligé de push derrière. Ouais je vais l'aider. Ah bon, bah. Et je vais surveiller la zip maintenant parce qu'on va peut-être se faire third par les mecs qui nous ont tiré dessus tout à l'heure. Il a sauté dessus avec l'ulti sir et tout. Moi je savais pas qu'ils étaient que deux. Enfin, s'il avait l'info qu'ils étaient que deux en vrai legit le push. Mais bon je le savais pas moi donc j'ai pas suivi aussi en mode aussi aggro. Et là ils ont claqué l'ulti sir donc ils vont se fight. Je vais pas push trop tôt parce que s'il y a pas de knock et que je push ils vont juste se retourner contre nous. Ah, bah, je voulais prendre le top derrière eux mais ils savent. Oh y'a un mec là. Je vais me mettre full HP et je vais essayer de monter sur le Teko. C'est mort, je peux slide sur le côté là. Lui il est mort, je vais prendre l'armor swap. Il y a encore un mec derrière là, on l'a vu. Lui il est pas mort en plus. Je lui donne l'info. Hop, je récupère son stuff à lui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça se fight à l'intérieur. Ça doit être les mates qu'on a vu. Combien de gens? Un knock. Qu'est-ce qui se passe? Combien de teams? Oh, y'avait personne au début! Ça s'arrête plus! Non, c'est bon, bah on a full KP, hein. Top 8 déjà. Vous pouvez jouer une petite zone là. Moi je suis pas contre. En plus, on a le bat juste à côté de nous. Le bat où ça va se terminer. Ah, mais c'est deux bats différents. En vrai, faudrait hold les deux bats. Je vais bloquer les deux extrémités. Je pense que ce bat là est mieux. Hein. Je peux prendre l'info ici de ce qui se passe autour. Bah. Merde, ça rebondit genre une. Frère, c'est une Pokéball le truc. Pokéball! Go! Comme ça, genre. Ça me sert de cover en plus. Oh, c'est pas mal en fait. Ça me fait genre head glitch. Oh, c'est pas mal en vrai. Car au lieu de flat, ouais. Parce que le bow, au bout d'un moment, j'aurais plus assez de flèches pour continuer à tirer de loin. Du coup, j'ai envie d'avoir une arme qui peut quand même tirer de loin et genre et quand même servir de close. Genre la flat, les fire de la flat est complètement fumée. Donc en vrai, au corps à corps, c'est assez facile de one-clip des mecs à la flat. En vrai, c'est limite, je trouve que c'est plus facile de one-clip quelqu'un à la flat au CAC qu'avec une car. La seule raison pour laquelle je prends quand même des SMG plutôt qu'une flat toujours pour le corps à corps, c'est que quand tu scopes, t'es plus précis avec une car au CAC et t'as une stray speed plus rapide qu'avec une AR donc j'ai envie de jouer sur le top pour montrer aux gens qu'on est là. Mais c'est... ouais, y a une team là. Ouais, y a une team là. Ouais, du coup, j'ai encore mon trap sur l'autre porte là-bas. Ouais, ouais, il est encore là. Et du coup, je sais si quelqu'un rentre dans ce bat là, je le saurai. Donc en vrai, je peux jouer le toit tranquille sans trop me soucier de la gauche. Ouais, après, il peut monter sur le toit et me bim aussi. Donc faut... ouais, non, faut quand même que je fasse gaffe. Oh, ça l'occupe, c'est là dessus. Il va peut-être multi-horizon sur la porte, je vais pas rester collé. Ils ont reculé. Ils ont pris le bat d'à côté, en vrai on peut chill du coup. C'est quand même fort Catalyst hein, pour le débat et tout, je trouve ça vraiment fort. Et comment je fais pour que mes mates m'écoutent? Bah en général je ne fais pas, j'essaie de le suivre. J'essaie de m'adapter à ce que mes mates font parce que c'est le meilleur moyen de jouer ensemble. Non mais pourquoi ils se push comme ça? Non mais je vais aller derrière eux hein. Je vais prendre la team qui est dans le bat en sandwich et on va essayer de voler des kills.
Ah ouais, non. Oh putain. J'ai pris trop cher, je vais essayer de back pour me mettre dans le bat. Non, c'était Sabs en plus. C'est des masters. Y'a Unlucky dans la game aussi. Ouais, on est dans une game près là en fait. Vu qu'on est dans ce bat là, maintenant je vais bloquer les portes ici. Comme ça on peut loot en étant tranquille. Je vais bloquer l'entrée avec le wall parce qu'ils peuvent le casser. Je sais pas s'il peut me tirer dessus par la fenêtre ou pas. La porte là-bas elle est bloquée. Je vais remettre un trap dessus juste pour les empêcher. Et je vais remettre une porte ici. C'est vraiment cher. Hein. Oh, j'ai un mec, je suis mort. Oh, c'est honteux que je meurs pas. Ouais, je rebloque la porte là aussi. Vu qu'on se fight depuis tout à l'heure, on se fait turn en plus. Hop, on va rebloquer la porte. Je vais drop le bow. Il me sert à rien là. On fait que de se battre en close range. J'ai besoin d'une SMG avec un DT. Comme ça, je peux jouer dans les smokes. Il y a Neas dans la game, mais frère, en fait, on est dans une game full master play là en fait. On est en top 3, c'est la team au-dessus de nous et la team là-bas. Le mec sur le trap derrière. Il y a toujours le trap en vrai, ils peuvent pas vraiment rentrer. Ils essaient de nous jouer quand même, mais il y a un knock en plus. On fait ça. Le team est venu pour third party, ils ont vu le fight. Oh, ouais. Et une team qui est dead. Il drop dessus. Oh, le pass, il a eu un knock. Faut qu'on sorte, faut qu'on joue le pass. Nice. Il reste qu'un seul mec sur le top. Il va essayer de finir notre pass. Je vais lui sauter dessus pendant qu'il le termine. Il a un HP. Nice. Mec, j'étais sur Fortnite pendant 3 minutes là. T'as vu mec, mes constructions mec, t'as vu mec, j'ai speed build là et oh j'étais chaud hein. Brrrr. Ding. Let's go le master, c'est YouTube, bonjour YouTube, on dit tous bonjour YouTube. Du coup on finit sur 69 games. Ouais. C'est un record. C'est mon nouveau record. Mon ancien c'était 74.